Bonjour et bienvenue, belle âme, que vous soyez conscient d'un lien d'âme particulier avec une autre âme ou que vous débutiez un cheminement spirituel. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous l'avez attiré à vous et qu'il y a certainement des messages en résonance à votre vie et vos questionnements surtout, et que vous posez des questions du style « qu'est-ce que je refuse de voir, d'entendre ou de dire ?»« Sur quoi je ferme les yeux ?» À quoi je suis sourde et reste muette. Et que vous désiriez avoir un regard plus objectif, une écoute plus aiguisée, une parole plus impeccable afin de marcher votre vérité, comme disaient les Amérindiens, c'est-à-dire être vrai, authentique, intègre, fidèle à vous-même dans le respect de chacun. Et fidèle à cet amour aussi universel qu'on recherche tous, voilà, que l'on avait envie d'expérimenter et surtout d'irradier. Donc, j'ai déjà dit dans les dernières vidéos que j'élargissais mon champ de vision. Je ne parle plus beaucoup de flammes jumelles parce que ce sont encore des termes, des étiquettes, donc dans lesquelles on risque d'être enfermé, et qu'il est bon d'élargir du coup aussi notre vue, hein, notre perception. Donc je suis plus à parler de lien d'âme, voilà, quel qu'il soit, puisque ces liens d'âme nous amènent aussi vers une quête d'amour, hein, d'amour inconditionnel, d'amour spirituel, que l'on est venu ici pour manifester, en fait, hein, du mieux que l'on peut, en tout cas, hein, d'aller dans ce sens et du coup, de faire un grand travail sur l'humain que l'on est, puisque voilà, on est, voilà, on a des travers, on a voilà, des défauts comme des qualités, et du coup, on est venu peaufiner ce petit. Cette personne que nous sommes, hein, voilà, pour grandir humainement et faire évoluer aussi notre âme, élever notre âme, tout simplement. Donc, et aussi par ailleurs, je suis moins dans le masculin d'un côté, la féminine de l'autre, ça vous l'avez déjà vu, déjà je parle plus d'énergie yin et d'énergie yang, puisque nous l'avons en nous, et que de toute façon, les autres reflètent, sont le miroir de nous-mêmes, donc notre autre en particulier est vraiment le pur reflet de nous. C'est d'ailleurs pour ça que son regard souvent est difficile à, comment dire, à regarder droit dans les yeux, comme lui c'est difficile aussi, puisque ça nous ramène à notre propre vérité intérieure, donc qui on est vraiment, avec nos qualités, nos défauts, et parfois c'est difficile à voir. Là, on est quand même à un stade où on a fait une sacrée avancée, où on est, voilà, on approche de la complétude, où on se détache l'un de l'autre, après, voilà, s'être couru un peu l'un après l'autre, un qui fuyait, l'autre qui courait, et vice-versa. Là, on est plus, voilà, dans la complétude, parce qu'on sent que de toute façon ce lien est éternel, donc ce lien restera toujours, quel que soit ce qui se passe en fait, mais ça c'est au niveau de l'âme bien sûr, et que avant tout sur cette terre on est venu chacun se réaliser, s'épanouir, soi avant tout, on est dans des énergies d'amour de soi. Alors, je rappelle que je me sers des énergies du moment, mais que mes vidéos restent intemporelles, puisque les messages et guidances restent intemporels, puisque il n'y a aucune notion de temps dans l'espace, tout simplement. Donc voilà, ce sont des vibrations, des énergies. Donc quand vous tombez dessus, c'est que, à mon sens, une synchronicité, voilà, de l'univers. Voilà, tout simplement. Après, il faut être ouvert aussi. Et avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert pour les recevoir. D'où ces questionnements aussi, tout simplement. Donc là, je m'étais posé d'ailleurs même la question, je voulais faire, au départ, je voulais faire même une vidéo, qu'est-ce qu'il ne me dit pas, qu'est-ce qu'il n'entend pas, voilà, qu'est-ce qu'il ne voit pas. Et puis en fait, je me suis dit, ben, ça sert à rien, puisque déjà, ça nous met encore dans une dualité, dans un 5D en deux,
alors que nous ne sommes plus qu'un au niveau de l'âme. On le sent très bien, fortement, même si dans la matière on est séparé, ou même en silence, on le sent très bien. Et là, c'est vraiment l'essentiel, c'est l'amour de soi, travailler l'estime de soi et l'amour de soi avant tout, pour mieux pouvoir aimer l'autre, et donc déjà être dans cette complétude-là. Donc c'est un cheminement individuel hein, aussi, mais de toute façon, les réponses que l'on va s'apporter ici, ça va nous faire avancer sur le lien, de toute façon, et c'est lui travaille les mêmes... Il travaille les mêmes questions, le même questionnement, sauf qu'il aborde peut-être différemment, tout simplement. Puis c'est pour éviter une espèce d'espionnage, parce que c'est vrai que éviter de tomber dans ces pièges, voilà, d'énergie basse, ici-bas, là, d'être dans, toujours dans une espèce d'espionnage, d'avoir peur, de, voilà, de pas se sentir assez aimé, tout ça. Il faut en sortir de cela. On est aimé par l'autre. Et le lien d'âme, il est très, très fort. Après, au niveau de la matière, c'est plus difficile à le mettre en place. Tant que chacun n'aura pas fait son cheminement intérieur, ne sera pas atteint sa complétude en lui-même et en l'estime de soi, confiance en soi et foi en l'univers, de toute façon, le lien, eh bien, il restera au niveau vibratoire. Tout simplement. Donc, d'où l'importance d'aller travailler sur soi. Chacun doit travailler sur soi. Et ça fait avancer l'autre, puisque tout est énergie, qu'on est relié à l'autre. Voilà. Donc, du coup, voilà, je me disais, voilà, ce côté espionnage, peut-être, voilà, c'est ses limites, quoi, en fait. Hein. Si on essaie de faire, si on va voir des tirages pour prendre, voir si, si l'autre va bien, voilà, pour prendre des nouvelles, mais juste dans le sens de prendre des nouvelles parce qu'on voilà, on s'inquiète un petit peu, parce qu'on n'a pas de nouvelles et que, voilà, juste prendre des nouvelles, ok, mais c'est pour savoir ce qu'il fait, l'espionner. C'est limite, voilà. On retombe dans des énergies basses. Il est essentiel de garder des vibrations hautes, voilà. De toute façon, ce qui doit se faire, se fera. Et ce qui ne doit pas se faire, ne se fera pas, tout simplement. Voilà, être à l'écoute de son âme, se faire confiance. Et de toute façon, ce lien d'âme, il y est, mais on a chacun des choses à vivre, tout simplement. Il faut s'épanouir d'abord soi, et pour après pouvoir s'épanouir, peut-être avec l'autre. Tout ça, ça, c'est la vie, c'est tout un mystère, et puis c'est propre à chacun. Hein. Donc, il n'y a que votre âme, de toute façon, qui connaissent le chemin, qui connaissent la réponse. Et les guidances, les tirages ne sont là que pour vous guider, voilà, tout simplement. Vous donner des pistes, et après, c'est à vous de voir si votre cœur vous dit de les suivre, si votre intuition le dit ou non. Et écoutez ce que, voilà, allez chercher vos clés aussi à l'intérieur de vous, et écoutez votre guidance intérieure. Donc, on va voir en premier qu'est-ce que j'ai du mal à voir. Voilà, qu'est-ce que j'ai du mal à voir. Je suis éblouie peut-être par trop d'ego, hein, encore, hein, qui reste des récurrences encore, malgré tous les efforts que l'on fait pour être dans l'amour inconditionnel. C'est très très dur ici sur Terre, hein, avec tout ce qui arrive autour, donc aussi. Mais on sait aussi que ce qui arrive autour, c'est que nous, on l'attire aussi. Il faut aller vers cette paix intérieure aussi pour attirer la paix, vibrer la paix, pour attirer la paix, et pareil, vibrer l'amour pour attirer l'amour. Donc, on va aussi aller voir ensuite... le premier oracle, c'est l'oracle du soleil. L'oracle soleil, pardon. Donc, pour essayer de voir... Alors, attendez, parce que je prends un peu des notes... J'aime bien, moi, que ce soit clair dans mes tirages, voilà. Enfin, claire façon de parler, des fois. Là, et bien, avec l'œil du lotus, alors c'est les mêmes, c'est Colette et Gérard Lougard, hein. Mais, Lougard, pardon. Avec l'œil de lotus, c'est plus qu'est-ce qu'on refuse d'entendre. Donc, bien sûr, là, c'est plus intuitif, hein. C'est une écoute intuitive, bien sûr. Et avec l'oracle, de grand oracle de l'amour. Alors, ce sont des rééditions, hein, vous les retrouvez sur Amazon. Donc, nettement moins cher que les originaux qui avaient grimpé en prix. Là, eh bien, qu'est-ce qu'on ose dire, voilà, on n'ose pas dire. Qu'est-ce qu'on garde pour soi avec l'oracle de l'amour, puisqu'avant tout, c'est de donner de l'amour à soi. Alors, oui, je disais qu'on était dans l'amour de soi parce qu'avec ces énergies printanière, on a une belle conjonction de Vénus
avec le soleil, ça jusqu'au mois de mai. Donc, on va être dans la prise de soins à soi. Voilà, d'amour de soi, de soins à soi, pour être dans un certain bien-être, pour vibrer ce bien-être-là. Et du coup, attirer aussi du bien-être autour de soi. Et en plus, on a Mars là qui est en Mars qui est en Gémeaux, donc on veut de la légèreté. On veut de la légèreté. Donc c'est pour ça que peut-être aussi certaines personnes vont vouloir se délester d'un poids, d'une relation qui est trop lourde et qui vont peut-être vouloir se délester. Donc avant de se délester, il est bon de se poser quand même des questions, de faire un petit bilan. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur justement les choix amoureux lorsqu'on est, voilà, qu'on ne sait plus trop où aller. Et du coup, ben, on regarde un peu sur le passé, puisque le présent prend racine dans le passé et que le futur prend racine dans le présent. Donc, voilà. Et donc, il y avait l'option de l'ex du premier amour, ou de l'ex en tout cas qui nous a énormément marqué s'il est toujours dans notre cœur, nos pensées aujourd'hui en tout cas. La personne présente, l'amour présent, et puis l'amour inconnu, tout simplement, et en faisant un petit tour d'horizon pour vous-même, aussi, pour l'amour de soi, ce que vous voulez en amour. Donc, voilà, je vous invite à aller voir la vidéo aussi, si ça vous intéresse. Voilà, donc, il y aura un panorama pour chaque, ensuite, il y aura un petit complément avec le Ostara Tarot, celui-ci, et ensuite, il y aura une carte de chaque. Alors, il y aura trois tas. Alors, soit vous l'associez à une des catégories, soit vous n'en prenez qu'un. Ce sera à vous de voir. Alors, il y aura un message de l'oracle de la spiritualité, un message de réaliser vos désirs. C'est bien pour l'alignement, hein, terre-ciel et centré en son cœur. Un message de la magie des fleurs. Voilà. Et il y aura même après un petit message de à choisir. Hein. Il y aura je tirerai trois cartes avec l'oracle histoire de sorcière pour comment mettre un petit peu de magie dans sa vie. Un petit conseil et un conseil des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, hein, pour justement être dans sa vérité, hein, pour avoir une parole impeccable. Et quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, et faites toujours de votre mieux. Voilà, pour un code de conduite, tout simplement. Et peut-être une carte surprise, on verra. Voilà, donc je vais commencer. Alors je vais mettre les oracles, je les ai déjà tirés de côté. Je vais baisser. Et on va commencer par le... Qu'est-ce qu'on a du mal à voir? Alors, je vais mettre le timing. Là, c'est pareil. C'est à vous de choisir. Vous pouvez ne voir qu'une catégorie. Si vous ne voulez pas la catégorie voir, la catégorie entendre, la catégorie... ça y est, j'ai perdu. La catégorie. Alors, j'ai pas dormi de la nuit, en fait, c'est ça. Je commence à être fatiguée. C'est à pleine lune, la nouvelle lune. Moi, ça me travaille, pleine lune, nouvelle lune, ça me travaille. Et je suis très lunaire. Et donc, voilà, vous choisissez la catégorie. Voilà. Qu'est-ce que je veux pas voir? Qu'est-ce que je veux pas entendre? Qu'est-ce que je veux pas dire? Voilà. C'est à vous de choisir. Vous pouvez faire les trois. Tout ça, il y aura le timing dessous. Donc, je vais juste mettre mes petites statuettes que j'ai oubliées. Alors, là, c'est qu'est-ce que j'ai du mal à voir. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi l'associer, celle-là, à votre autre, si vous avez envie. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, ces réponses-là vont vous donner aussi les réponses par rapport aussi à votre autre, tout simplement. Hein. Puisque faut savoir aussi que si vous vibrez des peurs et des doutes, lui, ça va lui faire douter, ça va l'apeurer aussi. Hein, et vice-versa. S'il y a des blocages, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a encore des peurs, des blessures à guérir, des peurs à transmuter, des démons à affronter, et ça bouchonne, voilà, c'est tout. Donc, c'est juste la façon qui est différente de travailler. Voilà, puisqu'il y en a un qui sera plus yin et l'autre plus yang, c'est juste les façons qui sont différentes de les travailler.
Il y en a un, ça va être plus vers l'extérieur et l'autre plus vers l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui est triangle sera plus dans l'action extérieure et quelqu'un qui est bulline fera plus des travail d'introspection. Alors, on va aller voir, faire un petit tableau. Alors, déjà. Wow. Alors, déjà, au niveau du mental, de l'état d'esprit, vous êtes en pleine élaboration. Il y a un petit moment que vous planifiez, hein, vous voyez ce four à pain là, hein, que vous planifiez pour vous développer, pour élaborer des choses, pour harmoniser votre énergie yin et yang. Hein, vous êtes bien arrivé à cette harmonisation-là, puisque vous voyez, vous êtes arrivé à faire du pain, mais il y a encore une fournée. Vous voyez bien qu'il y a encore une fournée à faire, hein, il y a encore des efforts à fournir. Vous avez trouvé un bel équilibre, il y a encore des efforts à fournir pour trouver ce bonheur. Ce bonheur que vous voulez, auquel vous voulez accéder, vous voulez rayonner. 24, ça fait 6. Vous avez fait le choix du bonheur. Vous êtes bien à l'écoute de votre énergie yin pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Vous avez compris que c'est à l'intérieur de vous-même aussi, dans votre mental aussi, qu'il faut faire le tri, qu'il faut avoir des pensées positives pour pouvoir accéder aussi au bonheur, des vibrations hautes, des énergies hautes. Donc ça, vous y avez travaillé dessus. Hein. Mais voilà, vous avez l'impression que ça demande encore des efforts parce que vous avez peur de la manipulation. Vous avez peur, voilà, d'être manipulé encore, peut-être à cause de ce qui se passe à l'extérieur, justement, et dans la société. Hein. Vous prenez conscience de cette manipulation, peut-être aussi de la société, ou alors peut-être que vous avez peur aussi que l'autre vous manipule. C'est pour ça que vous avez du mal à voir ce bonheur-là auquel vous aspirez. Là, on est quand même dans les cartes centrales, on est dans le présent. Vous avez peur qu'il y ait toujours cette manipulation, qu'il y ait toujours quelqu'un qui tire les ficelles, qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit une marionnette. D'être entravé dans vos actions. Peut-être vous trouvez laborieux quand même. Hein. Vous pouvez trouver peut-être laborieux parce que faire du pain, voilà, c'est laborieux. Hein. Les boulangers ont plus horaires. Peut-être que vous avez des horaires, voilà, des trucs différents, des situations de vie différentes aussi. Hein. Parce que le boulanger, lui, il travaille la nuit. Il dort le jour. Hein. Donc voilà, peut-être que vous avez trop de différences aussi. Hein. Dans votre façon de vivre. Mais on vous demande quand même d'avoir un nouveau regard sur cela. Croyez à ce bonheur-là. Il faut sortir des idées de manipulation. De toute façon, c'est vous qui menez votre vie. C'est vous le marionnettiste de votre vie. Donc, c'est à vous, si votre ego vous prend trop la tête, c'est à vous à le maîtriser. Grâce à votre âme. Grâce à votre bonne humeur, votre lumière intérieure, votre guidance intérieure. Hein. Pour vraiment voir les choses d'une manière beaucoup plus ensoleillée, c'est-à-dire beaucoup plus optimiste hein, et moins laborieuse. Vous avez beaucoup, ça a été très laborieux et vous avez peur, voilà, encore que ce soit... C'est ce qui bloque un peu votre vue. Oui. Vous voyez, il y avait une impulsion là, c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur, vous voulez un nouvel élan. Hein. Vous voulez un nouvel élan, mais vous avez peur que ce soit un marathon. Hein. Vous avez peur que ce soit vraiment une discipline voilà, assez lourde. Hein. Vous vous réfugiez en vous-même. Vous vous réfugiez vraiment en vous-même. Vous voyez cette tente-là, vous êtes même monté, vous êtes presque inaccessible même. Hein. Et vous avez du mal à voir que vous vous réfugiez en vous-même, en fait. Vous enfermez ce bonheur à l'intérieur de vous. On vous demande de vous ouvrir. Association, de vous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, de sortir de ce refuge-là. Vous êtes réfugié, voilà. Vous êtes isolé. Là, vous êtes vraiment isolé. Voilà, c'est presque vous-même qui faisiez des montagnes, en fait. Hein. Et là, on vous demande de ne point avoir peur des autres. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez vous associer avec quelqu'un que vous allez être manipulé. Donc, ça a peut-être voilà, été difficile pour vous de donner cette impulsion. C'est difficile peut-être aussi pour vous, voilà, parce que vous avez énormément travaillé, mais c'est quand même... Euh,
vous avez du mal, je dirais, à voir avec le cœur, hein, puisque vous avez enfermé votre petit cœur, là. Vous avez enfermé votre petit cœur, hein. Pourtant, votre petit cœur, il vous demande de faire, de repartir à zéro avec le 1, hein, de donner une nouvelle impulsion à votre, de voir les choses différemment. Vous avez sacrément œuvré, hein. Vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup, beaucoup avancé, vous avez beaucoup œuvré. Donc là, c'est bien parce que vous allez chercher votre bonheur intérieur. Avec le bonheur au-dessus, vous réfugiez. Enfin, vous le sentez, ce bonheur à l'intérieur de vous. Vous sentez cette capacité-là. Vous avez un peu peur d'aller à l'extérieur. Regardez, l'amour. Il y a un amour, là. Peut-être que vous avez un regard trop romantique sur l'amour. Trop fleur bleue, peut-être, sur l'amour. En tout cas, vous êtes fidèle, ça, c'est sûr. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, qui vous bloque. Il y a vraiment une nouvelle impulsion à donner. Je ne sais pas si vous les voyez. Une nouvelle impulsion à donner à l'amour, hein, pour voir les choses. Regardez le chemin parcouru. Là, je dirais, regardez le chemin que vous avez parcouru en amour. Le progrès que vous avez fait en amour. Vous êtes prêt à redémarrer quelque chose à zéro. Hein. Et vous réfugiez. Hein. Il y a vraiment la peur de la manipulation. Si on le voit, il y a l'amour, il y a le refuge, il y a la manipulation. Vous avez peur d'être manipulé à nouveau parce que vous aimez. Si vous aimez, voilà, vous avez été peut-être manipulé dans une relation amoureuse et du coup, ça fausse votre regard sur l'amour. Et pourtant, vous voulez cette association. Avec là, tous les drapeaux, vous êtes quelqu'un de très sociable, très lumineux, on le voit avec le soleil. Vous voulez cette association avec les autres. Allez vers, vous ouvrir au monde. Vous avez vraiment envie de sérénité. C'est pour ça aussi que vous êtes réfugié à l'intérieur de vous-même, parce que vous vouliez cette sérénité. D'abord, vous avez compris que le bonheur, c'est d'abord à l'intérieur de soi. Cette paix, il la faut déjà à l'intérieur de soi. Vous avez guéri, voilà. Il y a un amour qui a été quand même guéri. Hein. Vous avez travaillé sur l'amour de vous-même aussi. Hein. Vous avez vraiment un autre regard sur l'amour. Avec l'olivier aussi, c'est une sacrée victoire. Hein. Et à la colombe, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Vous êtes prêt à prendre votre envol aussi. C'est 3-9, c'est la fin d'un cycle. Là, vous voyez, 16, voilà. C'est un peu comme la maison de Dieu. Le 16, c'est la maison de Dieu, mais vous êtes à l'intérieur de vous-même et vous avez peur de faire éclater un peu ça. Vous avez peur de sortir de votre refuge parce que vous avez peur des éclats. Vous avez peur de vous brûler aussi. Vous avez peur de vous brûler les ailes. Comme Icare, au soleil. Vous avez peur. C'est pour ça que vous êtes, vous gardez cet amour au fond de vous et que voilà. Vous avez ce regard secret sur l'amour. Pourtant, vous êtes guidé. Suivez la guidance. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas manipulé. En fait, voilà, regardez. On vous dit que vous n'êtes pas manipulé. Vous êtes guidé. Cette association, elle se fait aussi avec l'univers, avec le monde. Ça vous guide, c'est ce qui va vous amener vers la liberté, à écouter votre cœur aussi. Votre cœur, c'est votre propre guidance aussi. Votre cœur, c'est ce qui va vous amener la sérénité en vous, hein, et qui va vous guider vers votre liberté, vers une nouvelle vision des choses, hein, voir beaucoup plus clair, voir avoir un autre regard sur l'amour que celui de la manipulation, mais plus un regard sur l'association. Là, on est vraiment sur une association. Il n'y a plus de relation de dépendance affective. Il y a vraiment d'un dominant dominé là. On n'est plus une marionnette de personne. On retrouve la liberté. Voyez, on vous donne le don. Soyez généreux. Ayez un nouveau regard. Regardez ce que... Voilà, reconnectez-vous à la source. Vous voyez ce que la source... vous donne aussi, ce que la source vous envoie, 3 et 2, ça fait 5, hein. Ce que la source vous envoie comme opportunité pour éclaircir votre regard, pour avoir un nouveau regard sur la vie. Écoutez vos émotions, hein. La Trinité, on a l'intuition, le 2, l'énergie divine, le créer. C'est vous qui créez votre changement. Regardez, vous allez vers le plein épanouissement. Vous allez avoir un regard beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux. Mais il faut vous écouter. Il faut quand même sortir de cet enfermement, hein, d'avoir peur de se brûler les ailes. Voir là, vraiment l'amour autrement que comme une source de manipulation. Droiture, rectitude. Hein. Mais regardez, épanouissement, plein épanouissement. C'est vraiment un lien spirituel, ça c'est sûr.
Mais écoutez, ce lien que vous avez avec la source, avec l'univers aussi qui est là pour vous guider. 3, on retrouve la source hein, et le champ des possibles avec 0. Et vous guide, c'est vous qui allez créer aussi. C'est à vous de créer votre nouveau regard sur le monde. Hein. C'est nous créons ce que nous pensons. Donc, ce que nous, il faut le visualiser aussi. Donc, il faut vraiment changer votre regard sur l'amour aussi. Alors, on va voir. Ah oui, là, on a l'amour. Là, c'est vraiment avoir... vous avez fait un sacré développement. Vous êtes un peu sur ce 21, c'est comme dans le monde. Vous avez trouvé votre place dans le monde. Vous avez fini de... Ça a fini d'être laborieux pour vous. Cessez de voir que la vie est dure. On vous demande aussi là de cesser de voir que la vie est dure. Ayez un autre regard, un regard neuf. Il y a des choses qui doivent être laissées de côté, notamment que les choses sont du labeur. Comment dire, qu'il faut mériter son paradis, qu'il faut trimer, il faut sortir de ces idées où il faut trimer. Il faut juste être en amour, en fait. Et vous le méritez comme tout un chacun. Ils sont difficiles à mélanger, celle-là. Waouh, regardez, le roi de Pentacle, je crois que c'est, on a du mal à voir là, avec le soleil. Vous pouvez avoir la maîtrise de votre ego et c'est ce qui manipule vos visions. Croyez au bonheur, vous avez la capacité de le matérialiser ce bonheur-là. Vous en avez tout à fait la capacité de le matérialiser. Reprenez votre pouvoir créateur aussi avec le soleil. Donc visualisez le bonheur et vous pourrez le créer. Vraiment avoir une nouvelle vision, hein. La vision que c'est vous qui avez le pouvoir et non un pouvoir extérieur. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. Vous êtes le maître de votre vie. L'artiste, le maître d'œuvre de votre vie. Alors là, ah, c'est le 9 de coupe. Waouh. Vous avez peur de réaliser votre souhait, en fait. Elle était tombée sur manipulation, mais bon, elle était à l'envers, donc elle était, voilà. Vous avez peur de réaliser vos souhaits. Vous avez peur de réaliser vos souhaits. C'est pour ça que vous avez peur, voilà, de la manipulation, de manipuler ou d'être manipulé. Vous avez peur de ces jeux. De ces jeux de rôle où c'est dominant-dominé, tout ça. Vous avez envie de quelque chose d'un foyer stable, sûr. Fiez-vous à votre intuition. Vous pouvez vous reposer sur votre intuition, sur ce que vous ressentez pour aller vous réaliser. L'univers veille sur vous. L'univers veille sur vous pour réaliser vos rêves. Il y a une co-création qui se fait avec l'univers. Ayez cette nouvelle vision aussi, que vous pouvez vous alléger aussi, vous reposer sur l'univers aussi. Sur votre famille d'âme. Vous voyez, avec les chats, ça me fait penser à ça. Sur votre famille d'âme qui veille sur vous. Écoutez votre enfant intérieur. Croyez à la magie de la vie. Vous voyez avec les yeux d'un enfant. Hein. Et l'âme d'un artiste. Ouais, regardez. Vous êtes prêt. Voilà, pour aller trouver un nouvel équilibre. Il faut juste que vous donniez une impulsion. Vous pouvez. Alors, si vous êtes en harmonie avec vous-même, si vous avez cet équilibre à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir donner l'impulsion à l'extérieur pour aller visualiser ce que vous désirez. L'équilibre que vous désirez apporter, l'harmonie que vous désirez apporter à votre vie. Waouh, regardez, vous pouvez sortir de votre refuge, vous êtes comme ce roi d'épée. En fait, vous êtes comme ce roi d'épée. En fait, c'est peut-être que vous étiez réfugié parce que vous avez peur, justement, d'avoir des batailles. Peut-être que vous avez peur de ce côté, peut-être que vous avez du mal à voir votre côté impulsif, vous êtes peut-être vous-même qui vous faites peur, hein, aussi,
voilà, que vous avez peur de rentrer dedans, de faire du rentre-dedans aussi, et que du coup, voilà, vous préférez être en paix à vous-même et vous avez cette impulsion. Vous pouvez avoir une lucidité d'esprit aussi. Avec l'ours, là, vous avez la force de l'ours aussi, pour reprendre votre pouvoir en main. Je rappelle que là, on a le roi quand même, hein, qui est serein. Votre état d'esprit est serein. Hein. C'est vrai que votre cœur a été meurtri, on est dans de l'épée, votre cœur a été meurtri. Du coup, vous êtes forgé un certain caractère, vous êtes rentré en refuge en vous-même. Mais cessez d'être sur la défensive, là. Hein. Et un nouveau regard sur vous-même aussi. Vous avez la capacité d'y voir beaucoup plus clair, de faire le tri dans votre... Voilà, de calmer aussi votre ego et pour voir avec le cœur, pour être beaucoup plus intuitif, de voir les choses différemment. Voilà, le 10. 10 de bâton. Vous voyez, ça en est fini, elle est tombée à l'envers, 10 de bâton. Ça en est fini, en fait, de toutes vos charges, là. Allez vers des associations, ne portez plus le fardeau tout seul. Ne portez plus le fardeau tout seul. Allez vers des associations, vous allez être aidé. Ce qu'on vous dit, là, c'est la fin de porter les choses toutes seules. C'est la fin des fardeaux. Vous voyez que vous pouvez être aidé par les autres aussi. Peut-être que vous avez du mal, par peur d'être trahi, manipulé, du coup... Vous êtes peut-être des personnes très solitaires et qui, du coup, avaient peur de demander de l'aide aux autres et d'accepter de l'aide des autres et que vous portiez peut-être même trop le poids des autres aussi, les responsabilités des autres. Là, on vous demande vraiment de reprendre votre responsabilité, les vôtres seulement. Hein. Chacun est responsable de ses actes et même dans une relation, chacun est responsable de sa part vers la relation. Après, il y a un point commun, mais chacun est responsable de son chemin de ses actes pour aller vers cette relation-là, et quelles que soient les relations, et là, on dit que chacun est responsable de ses actes, cessez de porter le poids des autres aussi. Hein. Vous êtes trop chargé aussi, là. Donc, voilà, il faut partager. C'est pour ça qu'il y a ces associations-là. L'univers est là pour vous aider. Vous pouvez vous délester vos soucis auprès de l'univers. Avoir confiance, voilà, que l'univers va vous aider à sortir de ces manipulations, de ces énergies basses ici-bas. Vous avez la force aussi, hein, de sortir de votre refuge, de vous défendre de toute façon, hein. Pas d'attaquer, de vous défendre si c'est nécessaire, et d'avoir un esprit vif, mais de reprendre avec force votre pouvoir d'action. Et de voir les choses avec clarté, avec discernement. Sans forcément être impulsif. Vous avez peur d'être trop impulsif, d'être en réaction. Waouh, la reine. La reine de coupe a dans les cœurs. Vous êtes une personne très, très aimante, en fait. Hein. Donc, vous avez peur, voilà, que l'on vous blesse peut-être aussi. Hein. Vous voulez un équilibre, hein. Une harmonie. Vous voulez un couple harmonieux. Et vous voulez, voilà... Donc, c'est vraiment une nouvelle vision de l'amour. Sortir de l'amour sacrificiel aussi. Hein. L'amour inconditionnel, ça n'a rien à voir avec l'amour sacrificiel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire « amen » à tout le monde. Ça ne veut pas dire « oui, je vais dire oui à tout le monde, je vais aider tout le monde et refuser et du coup ne pas céder soi-même. » Il faut sortir du schéma du sauveur. Hein. Sauveur sauvé, il faut sortir de cela. Déjà, vous donner de l'amour à vous-même. À vous-même. Donc, avoir notre regard sur l'amour, et cet amour-là, vous le donnez d'abord à vous-même. Prendre soin de vous pour aller dans cette sérénité-là, hein, et aller vers un renouveau. Être beaucoup plus objectif avec vous-même. Et être à l'écoute de vos propres désirs intérieurs, voir vos désirs à vous, de paix, d'harmonie. Vous permettre de faire les bons choix et de sortir, voyez, de ce qui vous enferme. Vous allez chercher cette sérénité en vous, hein. Vous êtes à l'écoute des messages de l'univers aussi, mais pour faire les bons choix, pour vous sortir de ce qui vous enferme. Vous prenez conscience que c'est vous qui avez aussi à main, hein, votre destinée. Hein. Il suffit juste d'écouter votre âme et d'écouter aussi votre intuition. Voilà, on a encore les oiseaux là, hein. Être à l'écoute de son âme, son intuition.
voir les choses différemment, hein, avec un regard beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute du cœur, de l'âme, de l'univers, pour sortir de la cage du mental, hein, sortir aussi de la cage du mental, qui bloque la vision, ne point regarder avec, en plus il y a la vision, ne point regarder avec les yeux de l'humain, de l'ego, mais avec ceux de l'âme. Waouh, le chariot, regardez. Il y a une belle maîtrise qui peut se faire, hein, si vous laissez guider par votre intuition, que vous calmez le mental. Voilà, il y a un bon dosage entre l'instinct, l'intuition, entre le côté lunaire et le côté solaire. Voilà, vous laissez guider par l'univers, par votre intuition, vous avez votre vie en main. Donc c'est là que vous pouvez avoir un nouveau regard, voyez. Même si tout est trouble, même si votre regard est trouble, voilà, est caché, voilé, même si vous êtes dans le noir, vous êtes capable d'avancer parce que vous vous fiez à votre intuition. Vous avez une belle maîtrise là. Avec le chariot là, vous avez une belle maîtrise là, vous savez où vous voulez aller. Vous visualisez où vous voulez aller. Et c'est vers beaucoup plus de liberté aussi. Hein. Vous sentez guidé par l'univers. Donc, suivre la guidance, hein, votre intuition, votre troisième œil pour aller de l'avant. Hein. Mener votre chariot. Poursuivre votre route. Eh bien, oui. 2, 4, 5, 9. 9 d'écu, hein. 9 d'écu, vous allez retrouver votre indépendance. Avoir une autre nouvelle vision des choses, ce n'est pas parce que vous êtes indépendant, par exemple, que vous êtes un égoïste. Là, vous retrouvez juste votre pouvoir. Et du coup, vous apaisez, vous voyez, ce côté, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus dans l'énergie yin. Et voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts aussi. On avait vu qu'il y avait l'élaboration, là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Et vous vous retrouvez, vous êtes vraiment dans votre complétude là. Waouh, et du coup, ça va donner un regain en amour. C'est l'un de coupe, vous voyez. Ça va redonner un regain en amour. Ça, il va y avoir des festivités en amour après. Et coupe et écu. Hein. Donc là, vous prenez conscience qu'en fait, ce que vous vibrez, si vous êtes en paix avec vous-même, si vous êtes en amour de vous-même, vous pouvez le matérialiser. Ce que vous vibrez, vous pouvez l'attirer, le concrétiser, le manifester dans la matière. Donc, ça vous rend beaucoup plus aisé. Là, on est vraiment dans la carte de la complétude. C'est la carte de l'indépendance, en même temps, vraiment, on est dans la carte de la complétude. Donc, c'est assez, assez fort, là, déjà. Alors, je vais passer aux deux. Donc, je sors, hein, je vais tout sortir. Donc là, il est clair, hein, qu'il faut que vous arrêtez de regarder avec les yeux de votre ego, hein, que vous regardez avec les yeux de votre cœur, que vous regardez avec les yeux de votre cœur, hein, pour trouver cette sérénité, sortir du mental qui vous fait voir des peurs, des vieilles croyances et des enfermements, et vous laisser guider, hein, justement, hein, par votre intuition. Être à l'écoute du cœur et de l'intuition. Voilà, pour avoir un nouveau regard sur la vie et cesser de croire que la vie n'est que défi et que tout est laborieux, hein, que les choses peuvent être lumineuses. Sortir des énergies basses. Voilà, avoir et des idées de manipulation, des visions de manipulation. Voilà, le passé, c'est le passé. L'avenir, il est à l'image de ce que vous allez visualiser, ce que vous allez créer. En visualisant, puisque la pensée est créatrice, c'est ce que vous allez attirer du coup. Donc, ce que vous ne voulez point entendre avec l'oracle de la vision, avec l'oracle. Ce que vous ne voulez pas entendre à l'oracle de la vision, c'est pas mal celle-là. Ce que vous ne voulez pas entendre avec l'oracle du lotus. Ce à quoi vous faites la sourde oreille. Alors, vous avez du mal à vous détacher. Il y a un détachement qui doit être fait parce que ces choses sont cycliques pour aller vers une nouvelle amitié. Là, c'est très très clair. Hein. Il y a des choses que vous devez vous détacher
Là, vous voyez, c'est amarré dans un port, et donc en général, l'eau est assez trouble et tout. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui demande à être détaché. Vous détachez du passé, ou de ce que vous avez pu entendre par le passé aussi, hein, et aller de l'avant sur votre intuition, parce que les choses sont cycliques. 9 et 3, 12, c'est aussi, voilà, à l'image du pendu, vous centrez en vous-même, hein, pour voir, pour écouter votre âme, écouter votre intuition, puisqu'on est sur entendre là, hein. Écouter le murmure de votre âme qui vous guide, qui vous dit quoi détacher du passé, ce qui n'est plus, ce qui est pour mener votre barque, pour aller de l'avant, hein, pour aller vers d'autres amitiés. Voilà, vous avez peut-être du mal à entendre aussi que quelqu'un vient vers vous aussi, hein. Quelqu'un qui va vous amener un certain équilibre. Vous voyez, il y a le noir et le blanc, quelqu'un qui vient vous compléter. On retrouve le 12, 12 qui fait 3. Hein. Donc 3, ça donne la créativité, la trinité. C'est le troisième lien, c'est un lien. Hein. C'est un lien créé que vous avez attiré. Mais il semblait que vous avez du mal à écouter justement votre intuition, votre âme, parce qu'il y a un détachement à faire. Ah, une maladie. Peut-être justement parce que vous avez été malade, voilà. Une victimisation peut-être aussi, qu'il faut laisser. Et vous avez du mal à entendre ces blessures-là, qui demandent à être guéries peut-être aussi, à être détachées. Ça peut être la peur d'une dépendance aussi, qui fait quoi une certaine dépendance. Pourtant, il y a la fidélité. Ou alors, vous êtes fidèle à un attachement aussi, du coup, vous avez peut-être du mal à entendre l'appel d'une autre amitié. Mais avec la lune, les choses sont cycliques. Ou alors des secrets qui doivent être. Des secrets vous risquez de vous être dévoilés. Un ami risque de vous dévoiler des secrets. Vous avez du mal à vouloir les écouter parce que vous savez que ça va amener un détachement. Une vieille croyance, d'un secret, d'une révélation. Mais pourtant, c'est que pour du bien, du beau. Hein. Déménagement. Détachement, déménagement, les choses doivent bouger. Au niveau de l'amitié, les choses vont bouger. Alors, ça peut être amitié. L'amitié, pour moi, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est un partenariat. On avait vu déjà qu'il y avait des associations, donc un nouveau regard sur une association. Donc, peut-être, voilà, un amour qui peut devenir une amitié ou une amitié qui peut devenir un amour, hein, aussi. Tout cas, il y a un avancement, un déménagement à faire. On sort de la maladie, là. Hein. On se détache de la maladie, on se détache de quelque chose qui nous rendait malade, d'une addiction peut-être aussi. Hein. On reste fidèle à soi-même. Hein. Là, c'est parce qu'on voulait peut-être aussi rester fidèle à un lien du passé. Ou fidèle à une victimisation aussi. Des fois, on a du mal à couper ces liens-là parce que ça nous permet d'exister en fait. Hein. Mais il faut s'en débarrasser, il faut aller vers autre chose. Il y a quelque chose de beau qui attend, il faut aller vers autre chose. Vous voyez avec l'automne là, il faut détachement, maladie automne. Voilà, il faut vraiment épurer, épurer. Il y a une grande épuration qui doit se faire. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre. Pour moi, le chien aussi, c'est la. Soyez fidèle à votre âme. Hein. Votre âme demande d'être fidèle à vous-même, à ce que vous êtes venu faire ici. Avant d'être fidèle aux autres, soyez fidèle à vous-même. L'automne, c'est vraiment, voilà, on récolte aussi, il y a un changement de saison, il y a une récolte à faire aussi, mais on doit passer à autre chose. Il y a des choses qui doivent être laissées derrière, qui rendent des malades, qui attachaient, justement. Et ça, vous avez du mal à entendre, donc peut-être une victimisation, voilà, quelque chose qui. Vous avez carte blanche, hein, de toute façon. Les choses sont cycliques, alors peut-être vous avez un secret sur un lien auquel vous étiez fidèle, mais vous avez carte blanche. De toute façon, c'est vous qui choisissez. Vous avez carte blanche, c'est à vous de voir. 5, 4, 5, 10, hein. La roue tourne. La roue tourne, mais c'est à vous de donner l'impulsion. On avait vu qu'il y avait l'impulsion sur l'autre. Au niveau visualiser l'impulsion. Donc là, vous bouchez les oreilles parce que vous savez que vous avez carte blanche, mais peut-être, vous savez que, voilà, peut-être que c'est votre acte qui va. Vous avez peut-être du mal à prendre la responsabilité de votre acte, là. Et du coup, faites peut-être la sourde oreille à ce qu'il y ait quelque chose qui est inévitable. Il y a le déménagement là, c'est inévitable. 10, la roue tourne encore. Hein, pour aller vers soi, pour aller vers son action, vers l'impulsion, justement. Le 1, c'était l'impulsion dans l'autre jeu. Hein.
L'été, regardez, il y a vraiment un super changement de saison qui peut se faire. Donc, vous pouvez, voilà, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, vous allez actionner quelque chose, voilà, qui va ramener un renouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux, l'été. Mais ça amène une mort renaissance aussi, avec de 13e pour aller vers beaucoup plus de stabilité, quelque chose qui va être fructueux. Mais il y a une table blanche, là, il y a un ardo, c'est à vous d'écrire, c'est à vous d'écrire votre vie. Et mais là, la fidélité, il faut que vous voyez qu'il faut d'abord, avant tout, être fidèle à vous-même, avant d'être fidèle à un lien du passé, peut-être une relation toxique d'ailleurs aussi, hein. C'est être fidèle à vous-même avant tout, à votre âme, avec suivez votre intuition. Là, on est aussi dans le cosmique, à votre famille d'âme aussi. Vous êtes venu écrire quelque chose ici-bas, écrire votre voilà votre partition aussi. Hein. Il faut sortir de la tristesse, vous voyez. Tristesse. Il faut sortir de la tristesse, faites un effort pour aller de l'avant. Vous voyez, on retrouve, tout à l'heure, on avait l'impulsion, le marathon là que je vous disais. Faites un effort, suivez votre bonne étoile et de l'avant. Il faut vous relever. Faire donner l'impulsion pour aller de l'avant. Et vous trouvez, voilà, vous avez l'impression que ça demande du travail, mais regardez, il y a un partenariat aussi avec la ruche. Hein. Vous allez vers votre famille d'âme. Hein. Vous réalisez 8. Hein. Réalisez quelque chose pour la famille et puis on retrouve le lys là. C'est une histoire de les cadeaux. Regardez, vous allez vers quelque chose de beau. De cadeaux, vous avez vraiment quelque chose de beau et de la stabilisation. Hein. Mais il faut faire l'effort. De laisser la tristesse derrière soi, de laisser tous les liens toxiques derrière soi, d'écouter ses blessures. Hein. Pour penser ses blessures, il faut les écouter, ses blessures. Il faut écouter ce qui doit être détaché, ce qui doit être voilà, transmuté pour aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus... Là, vous voyez, le travail n'a pas la même connotation que l'autre. On avait un truc de très laborieux tout à l'heure avec le pain et tout. Alors que là, c'est très lumineux. Ça fait penser à l'été d'ailleurs. Hein. Ça fait penser à l'été. Il y a les abeilles et tout. C'est la famille. C'est un travail en communauté. On va vers la famille d'âme là. Vers quelque chose d'harmonieux avec le lys. On va butiner. On va faire quelque chose de mielleux. On va butiner. Quelque chose voilà, qui va amener un cadeau dans le foyer. Alors peut-être à Noël. Hein. La stabilité se fera peut-être à Noël. En tout cas, une belle stabilisation. On veut poser l'ancre. Hein. On veut poser l'ancre. Et à la rencontre. Hein. Regardez, rencontre. Grâce à une rencontre. Hein. La chance que va vous envoyer l'univers. Hein. Alors, le complément. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est qui veut tomber? Oh là là. Alors, détachement, hein, les amoureux, une page. Pour moi, il faut déjà tourner la page hein, pour aller vers autre chose en amour. Donc, détachement, alors peut-être sur une façon d'aimer. Hein, voilà, il y a un détachement sur les amoureux. Il y a un choix à faire en fait, un choix pour aller de l'avant. Il y a vraiment un choix à faire pour aller de l'avant. Vous avez du mal à entendre ce choix-là. Vous avez du mal à entendre l'appel de votre âme qui vous dit comment vous guider. De vous fier à votre intuition. Vous voyez, ce sont des petits renards, on dirait. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous le savez, hein, de toute façon, vous en avez conscience à l'intérieur de vous, mais vous avez du mal à entendre qu'il faut faire ce détachement. Peut-être sur une idée du couple, sur une idée de l'amour, sur une idée du couple, ou sur un amour passé, ou redonner un regain d'énergie à un amour. Il faut regarder la reine. Mais là, vous retrouvez votre pouvoir. Tout à l'heure, on avait le roi au niveau de la vision, hein, donc de la vision mentale aussi. Là, on est au niveau de l'entendement. Là, eh bien, écoutez votre enfant intérieur, hein, tout simplement. Prenez soin de vous, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez la terre mère aussi. Hein.
écouter votre intuition. On est dans des énergies très féminines, très yin. Hein. Écoutez, écoutez votre intuition. Là, on est vraiment sur l'écoute de l'intuition. C'est très important pour faire les choix d'être à l'écoute de l'intuition. De prendre soin de son enfant intérieur, de ses rêves d'enfant aussi, de prendre soin de soi. C'est la reine de terre, donc là, vous, voilà, vous avez cette force en vous, cette maîtrise en vous, cette force en vous. Mais il faut aller la chercher. Il faut l'entendre. Alors, c'est le 9 de quoi, ça? Là, ouais, vous avez peur de cette amitié. Vous avez peur, hein? Vous avez peur d'être à nouveau blessé. Hein? Vous êtes sur la défensive. Vous avez peur d'être à nouveau blessé. Vous êtes sur la défensive. Alors que c'est quelque chose de sain, de lumineux. C'est un panthère au noir. Il y a une ombre au tableau, hein, au niveau de l'amour, et ça vous fait peur. Ça vous fait peur, en fait. Hein? Il y a une blessure là, de l'enfance qui a été... une blessure de l'âme. Hein. Donc, c'est ravivé à l'enfance, ravivé peut-être la peur de l'abandon, justement, hein, si on tourne la page. La peur du rejet. Et du coup, vous avez peur, vous êtes sur la défensive parce que vous êtes très solitaire. Hein. Très solitaire et du coup, vous avez peur de l'union. Vous avez peur de l'association. Vous avez peur de vous retrouver en couple. Parce que vous êtes habitué à marcher seul. Alors, vous le désirez fortement, mais en fait, vous avez peur. Et ça, vous avez du mal à entendre les blessures que vous avez au fond de vous. Les blessures à guérir. Voyons, avec le, sur la maladie, on vous demande de vous poser, d'écouter votre maladie. Le maladie, ça, c'est, quand il y a le maladie, c'est qu'on rentre en soi. Quand on est blessé, on rentre en soi, dans sa coquille. Du coup, ça provoque une maladie dans le corps aussi. Hein. Et là, on vous demande d'aller éclaircir cela. De regarder ce qui vous fait mal. D'écouter ce mal. Ce corps qui vous dit ce qui ne va pas, écoutez-le pour y faire la lumière et voir les choses différemment. Maintenant, vous êtes quelqu'un de mature aussi et que vous pouvez vous auto-guérir par la pensée, justement, par visualiser autrement. Vous visualisez en train d'accéder au bonheur, comme on avait vu tout à l'heure. Hein. Vous regardez, on a le valet de bâton. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à cette lumière à l'intérieur de vous, à votre cœur vaillant. Soyez fidèle à votre cœur vaillant. Vous avez cette capacité d'aller de l'avant, hein, de voir les choses différemment et d'aller de l'avant. D'écouter votre cœur pour avancer, d'écouter votre passion. Vous avez la capacité de maîtriser ce qui vous turlupine, les peurs. Les peurs, avec, c'est des peurs aussi secrètes. Hein. Vous pouvez les calmer, vous pouvez les transmuter. Jugement. De toute façon, les choses se feront. Hein. Donc, voilà. Il y a justice. Il y a des choses qui vont bouger. Jugement, déménagement, les choses vont bouger de toute façon. Vous avez beau faire la sourde oreille, les choses vont bouger. Alors, si vous le faites en conscience, si vous prenez conscience de ce qui vous fait mal, que vous écoutez ce qui, les points où vous avez mal, vos blessures, afin de les transmuter, de les guérir, tout simplement. Il va y avoir un réveil de l'âme. Il va y avoir, voilà, vous allez écouter votre âme et aller de l'avant sans souci, sans problème. Mais autrement, ça risque d'être beaucoup plus douloureux. De toute façon, on dit que le destin conduit celui qui l'écoute et traîne celui qui résiste. Hein, ça, c'est Sénèque qui le dit. Donc vraiment, voilà. Et vraiment, soyez à l'écoute là. Il y a des choses qui vont se passer. De toute façon, il y a un bouleversement, quelque chose qui se fait, un déménagement, un bouleversement, parce que c'est le karma. Il y a un grand nettoyage du karma là. 9 d'épée, le jugement, il y a un grand nettoyage de karma. Et c'est au niveau du lien, de l'amitié, du lien. Donc l'amitié, pour moi, je dis, c'est amour inconditionnel. Les choses doivent bouger, doivent changer. Page d'épée. Vous voyez ? Vous voyez les choses différemment, ce qu'on vous demande, de suivre votre intuition, d'être comme ce petit fennec là, d'être rusé. Il y a des choses à laisser derrière soi, pour pouvoir aller de l'avant. Instruisez-vous de votre passé, de vos expériences passées. Ça vous donne une instruction, ça vous donne des leçons de vie.
pour affronter le présent, hein, pour vous armer pour le présent. Donc soyez à l'écoute de ces expériences de vie, de ces maladies, de ces, voilà, de ces blessures, de ce qui vous a pour tirer des leçons et voir autrement, entendre les choses autrement. Écoutez vraiment le cœur plutôt que le mental, être à l'écoute du cœur plus que du mental. Waouh, 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 carte blanche, vous voyez, quand je vous le disais, être à l'écoute plutôt que le mental, suivre votre intuition. Carte blanche, vous le savez au fond de vous, hein, c'est vous qui écrivez votre vie. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, vous le savez au fond de vous, ce que vous êtes venu faire, votre âme le sait. Écoutez-la. Vous avez cette connaissance à l'intérieur de vous, de quelqu'un de très intuitif. Vous pouvez agir en votre âme et conscience, là. Mais si vous écoutez votre âme. Ah, 8 de bâton, regardez, cet été. Alors, ça peut être cet été qu'il va y avoir des déclics et des choses, parce que si vous êtes beaucoup plus léger, si vous êtes beaucoup plus confiance à l'univers pour vous guider, que vous êtes à l'écoute de votre intuition, des signes, des synchronicités, vous allez, pouvoir récolter des fruits. Ça va être abondant. Vous allez vers l'abondance. Et vous allez pouvoir, voilà, ce qui vous tient à cœur aussi, le réaliser, le matérialiser, le réaliser. Regardez l'arbre là, regardez l'arbre qui sort là. Mais c'est avoir une autre vue. Beaucoup plus large. Vraiment être à l'écoute de l'univers, des synchronicités divines. Alors ce truc, il est un peu dur parce que des fois, on ne sait pas où on en est. Là, c'est le 6. Les choses sont laborieuses. Et là, de toute façon, il y a un choix à faire. Il faut, voilà, il faut vraiment... voir les choses différemment. Il y a une espèce de partenariat qui doit se faire aussi, là. Ensemble, les choses vont se débloquer ensemble. Ça va être peut-être laborieux. Mais voilà, si vous suivez votre intuition, vous allez arriver. Ça va être peut-être un peu dur, mais vous allez y arriver. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça vous le savez, vous l'avez pris conscience. Hein. Vous vous éloignez de tout ce qui est des indécisions, des mensonges, de tout ce qui est blessé. Regardez, vous éloignez de tout cela. Ce qu'on vous demande est de faire les choix du cœur pour trouver l'équilibre, la justice. Et aller vers un renouveau. Alors, on va passer au troisième cas. Alors, avec l'oracle de l'amour, on va passer à ce que vous osez dire et qu'on vous conseille de révéler aussi. Hein. Là, on met le point sur les blocages. Oh, on vous demande de vous libérer. Vous avez peur de vous libérer. De vous libérer d'une trahison. Hein. Communication, oser en parler. Voilà, c'est très très clair. Ça bloque chez vous. Parce que vous avez une blessure de trahison qui pèse sur vous. Hein, du passé là, qui pèse sur vous. Qui vous demande de vous libérer. Ça vous fait vous casser la gueule. Vous avez peur vraiment de vous casser la gueule. Hein. Si vous allez continuer à aller de l'avant. Et pourtant, on vous dit d'oser en parler. D'oser communiquer, d'oser en parler. 17, et fiez-vous à votre bonne étoile aussi, hein, à votre intuition pour parler. Là, vous avez vraiment peur, de vous casser la binette, hein, dans cette relation. C'est pour ça que vous n'osez pas dire. Parce que vous avez une blessure de trahison et vous n'osez pas la communiquer, vous n'osez pas la dire et ça vous enchaîne, vous demande de vous en séparer. Ah oui, ça vous brise le cœur, hein. Il faut vous en libérer parce que ça vous brise le cœur. Vous avez le cœur à l'étroit là. Soyez sincère. Chakra cœur. Hein.
soyez sincère, tombez les masques, il faut pas rêver le cœur, parlez les masques. Cette blessure de trahison, elle vous tue l'épine dans la tête et du coup, ça vous bloque pour parler. Mais ça vous serre le cœur. Oh là là là. Regardez, si vous êtes sincère, que vous libérez cette peine de cœur, hein, si vous la libérez, ce qu'on vous dit, hein, vous avez vraiment le cœur qui avait été écrasé, là, comme des casse-noisettes, là. Et là, regardez. Accueillez cette bonté, vous ouvrez votre cœur, parce que vous allez vers la rencontre. Si vous ouvrez votre cœur, une rencontre, voilà. Donc, très, c'est en finir aussi, hein, avec ces cœurs brisés, cette peine de cœur. Vraiment, cette blessure de trahison, il faut vous en libérer de cette peine-là. La communication va vous permettre aussi, voilà, déjà d'être en bonté avec vous-même, de communiquer déjà avec votre cœur, soyez sincère avec vous-même avant tout aussi, hein. C'est déjà avant tout être sincère avec soi-même, voir cette blessure de trahison. Alors, en plus, tous les trois sont vraiment en lien, hein. Cette blessure de trahison, donc si vous n'écoutez pas vos blessures, voilà, elle est dans la tête et vous ne pouvez plus en parler, il faut les écouter pour les libérer. La rencontre avec vous-même, déjà on retrouve les deux tourterelles qu'on avait au départ sur justement le sentiment de paix et de sérénité, hein, avec l'arbre aussi qui parle de guérison. Et là, regardez, vous pouvez faire une belle rencontre, déjà rencontre avec vous-même, l'amour de vous, hein, l'amour de soi, l'estime de soi, vous méritez l'amour. Hein. C'est pas parce qu'on vous a brisé le cœur qu'on va vous le rebriser. Parce qu'apparemment, cette personne en face quand même est sincère, vous allez vers un amour sincère. Hein. Mais il faut déjà que vous soyez sincère à vous-même. Hein. Il faut cesser de porter le masque. Le masque de la trahison, là, ça pèse, hein, le poids de la trahison. Là, c'est ce poids de la trahison qui vous fait... qui bloque tout, là. Alors, soit vous ou votre... C'est vous, votre jumeau jumelle en face. Hein. Ah ouais, regardez, il y a un regain, il y a quelque chose qui veut renaître. Hein. Un amour veut renaître. Hein. Vous avez peut-être une peine de cœur, mais l'amour veut renaître. L'amour, il veut renaître. Voilà. Même si ça a été la traversée du désert, une grande traversée du désert, il y a un changement. Mais 3 et 2, ça fait 5. Hein. Donc, suivez votre intuition. Avec le 2, vous pouvez créer. L'univers vous guide aussi. La création vous guide. Hein. La vie est création. On nous demande toujours de créer. Et c'est tout est cyclique. On l'avait vu avec la lune aussi. Tout est cyclique. Hein. Donc, voilà. C'est les montagnes russes. La vie, un coup est en haut, un coup est en bas. Un coup, on intériorise, un coup, on extériorise. Un coup, on crée, un coup, on dort. Mais voilà. Voilà, il y a un temps pour tout, hein. Un temps pour la peine, un temps pour la joie. Et là, il faut libérer cette peine. Vous allez, la joie demande, voilà, vous avez peur de vous égarer. Soyez sincère avec vous-même, cessez de porter un masque. Hein. Cette trahison, en fait, cette blessure de trahison, vous fait vous égarer. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Hein. Alors que vous avez vraiment quelque chose qui a envie de sortir. Regardez, c'est les mêmes couleurs, quelque chose qui a envie de se matérialiser, hein. De sortir. Hein. Vous avez peur que c'est qu'il y ait des illusions. Vous avez peur des illusions, en fait. Vous avez peur de ce qui va sortir du chapeau. Vous avez peur que si vous révélez, voilà, qu'est-ce que va dire l'autre. Voilà. Vous avez peur que cet amour que vous sentez au fond de votre cœur soit qu'une illusion. On vous dit d'y croire, hein, aussi. La magie, elle opère dans la vie si vous y croyez à la magie. Donc, on avait vu qu'il fallait voir aussi avec les yeux de l'enfant, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. C'est à vous de faire le choix. C'est vous qui allez mettre la magie dans votre vie. Vous pouvez réaliser vos rêves. Ça reste une illusion si ça reste dans notre tête. Si on ne fait aucun effort pour le matérialiser. Ça reste une illusion. Regardez. Arrêt, stop, mais à la solitude. Arrêt de la solitude. Arrêtez de vous isoler, arrêtez de la solitude. Ouvrez-vous à la sensualité. Sensualité, allez partager un verre à deux. Regardez, on retrouve le livre là. Communication, partager, sensualité. Ah ouais, mais vous avez vraiment peur. Hein. Vous avez vraiment peur que voilà, de trop tomber dans des énergies basses. Hein. Alors que voilà, vous pouvez trouver cet équilibre, la balance, hein. L'amour. Vous pouvez, mais il vous faut, voilà, 3, ce chakra sacré aussi, hein. Chakra du plexus solaire aussi. Donc, il faut vraiment vous exprimer votre sensualité, vos désirs, vos douceurs, ce que vous voulez.
être doux avec vous-même. Cessez cette solitude-là. Ça ne fait que qu'alimenter des énergies négatives. Il faut trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, il faut vous ouvrir à l'amour. Regardez, et Cupidon, il est là. Hein. Coup de foudre, souplesse, voilà. Ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour, à la magie de l'amour. Laissez, dansez. Dansez, regardez, il y a l'harmonie. Dansez avec ces énergies printanières. Regardez, il y a même fidélité derrière. Tout ça, gardez espoir. Tout ça, il faut le laisser de côté. Ces énergies de jalousie, de trahison, de toutes ces énergies basses, il faut laisser de côté. C'est très, très beau ce qui va se présenter. Sortez de l'idée que l'amour est une illusion aussi. Hein. Donc, libérez votre parole. Si vous ne faites rien, si vous gardez en vous tout, ça sera des illusions. Ça sera du domaine de l'invisible, du domaine aussi de l'éther et non dans la matérialité. Oui. Il faut vraiment sortir de ce qui vous, de toutes ces batailles, hein. De ce qui vous a peiné. Il faut en sortir. Hein. Avec le serpent, il y a une mue qui doit se faire. Sortir des énergies toxiques, il y a une mue. Vous libérez de ces énergies toxiques. Ça va libérer votre parole. Hein. Vous voyez, on a encore le serpent là. Vous devez aller de l'avant. Hein. Mais vous avez peur. Vous devez laisser ce sentiment de trahison derrière vous. Laissez le sentiment de trahison derrière vous. Sortez des énergies toxiques. Ça vous empoisonne et ça vous empêche d'être vous-même, d'être authentique, d'être sincère. Déjà, soyez sincère avec vous-même que vous avez ces blessures-là. Regardez, on a le fou, là, on a le... Voilà, communiquez. Croyez à votre bonne étoile, communiquez et déjà, ça va vous libérer. Écoutez votre enfant intérieur, ça va vous libérer. Croyez à la magie de la vie. Communiquez avec la vie aussi. Communiquez avec votre cœur. Communiquez avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous désirez au fond de votre âme? Est-ce que vous désirez rester dans des énergies toxiques, des énergies de dépendance ou est-ce que vous voulez de l'amour? Soyez sincère avec vous-même. Libérez votre parole. Libérez cet amour. Ah ouais, sortez la tête de l'eau. Regardez la peine là. Sortez la tête de l'eau. Vous avez la capacité de sortir la tête de l'eau. Écoutez votre âme, les petites grenouilles. C'est vraiment écoutez votre âme. Écoutez votre intuition. Sortez la tête de l'eau. Sortez de cette peine. C'est derrière vous ça. C'est fini, c'est dans le passé. Pff, allez vers ce renouveau. Sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Regardez ce page là. Soyez sincère à vous-même, fiez-vous à votre intuition, allez de l'avant, écoutez votre enfant intérieur. Vous pouvez tourner la page, aller vers un renouveau, en écoutant votre cœur. En prenant bien sûr en compte vos expériences passées, l'enseignement que vous avez eu de par vos expériences, mais allez de l'avant. L'ermite, c'est fini là. Le cycle de l'ermite, c'est fini. Ouvrez votre cœur à cette rencontre-là. Allez à la rencontre de vous-même. Avec l'ermite, on va à la rencontre de soi-même. On va vers la bonté de soi. On va chercher sa bonté en soi-même. Donc, communiquez avec votre bonté, mais pour aller la manifester aussi, pour vibrer. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, dans votre complétude, si vous êtes dans votre complétude, vous allez pouvoir attirer aussi l'amour. C'est une fin de cycle, là aussi, hein. Vous avez la force, regardez ça. Vous avez la force de faire renaître les choses. Vous avez la force de faire renaître l'amour. Vous avez cette force-là. 32, ça fait 5. Hein? Aussi, le changement. Vous avez cette force en vous. Malgré les... Regardez. Les batailles que vous avez subies, essuyées. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Il y a un équilibre qui est fait entre le côté lunaire et le côté solaire. Ah, je reviens. Désolée, petite interruption, je reprends. Donc, voilà, la force de refaire soit renaître en amour, soit de renaître en amour, en tout cas d'aimer à nouveau, de profiter de la vie à nouveau, de créer,
aussi à nouveau sa vie. Mais on voit bien quand même que voilà, là, il y a eu des batailles assez rudes. Hein. Mais le cœur vaillant est toujours là. Donc écoutez aussi cette force d'amour qui a envie de s'ancrer aussi dans la matière. Votre cœur a envie d'aimer. Il a envie de parler, de s'exprimer, de déclore, de s'épanouir. Égarement, recentrez-vous, hein. Recentrez-vous, faites des efforts pour éviter de vous égarer justement, hein. Vous avez les capacités, vous avez la force en vous, et encore le 8, la force de vous réaliser. Donc suivez votre intuition, vous avez pouvoir, vous pouvez sortir de ce labyrinthe, vous pouvez sortir de toute cette torture mentale là, qui bloque votre parole aussi, hein. Vous pouvez vous en sortir. Waouh, regardez, 6, la balance, l'équilibre, la générosité. Regardez, cet amour n'est pas une illusion. Hein. Croyez à la magie de l'amour, croyez à vos échanges. L'univers vous a envoyé quelque chose de magique par contre. Voilà, on voit l'échange qui se fait aussi. Soyez généreux, on voyait qu'il y avait cette bonté. Hein. Cette bonté de cœur juste au-dessus. Hein. Voilà. Donc c'est aussi, si vous sortez aussi, on l'avait vu avec la première carte, et si vous sortez aussi de votre refuge, vous allez pouvoir aussi échanger aussi, matérialiser cet échange, cette générosité. Il y a une belle équilibre, une belle harmonie qui va se faire, hein, entre le donner, recevoir, entre le cœur et la manifestation. Vous pouvez manifester vos rêves. Vos rêves ne sont point des illusions. Vous pouvez les manifester, ces rêves d'harmonie, de générosité, de cœur. Hein. Vous pouvez faire mettre cette magie dans votre vie. Donc vous pouvez échanger. Échanger, ouvrir votre bouche, échanger, échanger des paroles d'amour, échanger des actes. Waouh, regardez, là, sortez de votre réserve, quand je vous disais, hein, comme le petit viking, là, le 4 d'épée, sortez là, vous avez bien sacrément bataillé, mais vous avancez. On vous demande de sortir de cette réserve-là, et encore, vous voyez, le côté flibustier, là, le côté, voilà, que vous avez perdu un œil, hein, voilà, donc vous n'y voyez que plus d'un, mais c'est celui de l'intuition. Et donc, allez de l'avant, vous avez beaucoup de richesse en vous, de qualité, de richesse en vous à partager, donc allez de l'avant. Ça vous permettre aussi de faire les choix et d'être à l'écoute de votre cœur, faire les choix pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, vers la justice, beaucoup plus équilibré, qui correspond à votre rêve, l'étoile, à ce que vous désirez, au plus profond de vous-même. Donc, il est temps de libérer aussi, d'être dans votre intégrité, libérer votre parole. Votre vérité, le roi, hein. Matérialisation, regardez le roi. Vous pouvez matérialiser vos désirs, hein, si vous y croyez. Donc, eh bien, c'est tout simplement magnifique. Donc, on va passer au message des oracles. Alors, vous avez le choix entre 1, 2 ou 3. Alors, vous pouvez l'associer à ce que vous devez, comment vous devez voir les choses, pour vous aider à mieux voir les choses, après à mieux entendre et à mieux parler aussi. Voilà, ça peut être des conseils pour cela. Alors, le désir du cœur, voilà. Voyez le désir du cœur. Que désire votre cœur? Que désire votre âme? Vous êtes connecté grâce à votre âme à la source sacrée. Le désir de cœur, c'est aussi le désir du cœur universel. Hein. Écoutez votre cœur qui vous guide. Cette mise en œuvre, écoutez votre intuition. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Avec, comment réaliser ces désirs, hein? Regardez, étant donné que chaque requête est concédée, je ne ressens aucune concurrence. Il n'y a pas besoin d'avoir de rivalité. Aucune concurrence. Écoutez votre enfant intérieur. Croyez à la magie de la vie. L'univers vous envoie les opportunités nécessaires.
il répond à vos vibrations, à ce dont vous avez besoin. Avec l'éléphant aussi, c'est faire preuve de sagesse. Vous avez acquis une certaine sagesse aussi. Et puis, c'est aussi à l'image de Ganesh qui vient. Voilà, les obstacles sont levés. L'univers œuvre pour vous aussi. Hein. Chaque point de vue importe. Chaque requête est concédée. Les ressources de l'univers qui réalisent ces requêtes ne connaissent pas de limites. Il n'y a pas de limite aux réponses, au flot infini de questions. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de concurrence. Il n'y a aucune concurrence. Ne voyez point le mal partout. Ne voyez point, voilà, ne vous sentez point limité. Ayez une ouverture d'esprit. Prenez conscience de cette co-création avec l'univers qui répond à vos vibrations. Tubéreuse, regardez. Alors là, pour moi, là, vraiment, il y a senti ce lien d'amour, hein, le désir du cœur, ce désir d'union, tout en conservant votre indépendance. Tout en vous fiant votre intuition aussi, cette énergie, votre intuition pour ancrer les choses dans la matière, vous voyez, avec ce lotus là autour de la tête, suivre vos intuitions pour ancrer les choses dans la matière, et notamment ce couple, être aussi dans cette complétude aussi à l'intérieur de vous-même. C'est votre énergie et votre énergie yang, main dans la main, qui vont permettre de créer les choses dans la matière. Alors pour celle-là, je vais aller voir les maîtres, les mots-clés. Ça nous parle d'amour romantique. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Donc, voyez avec les yeux de l'amour. Intuition, paix, protection, purification, sensualité, richesse. Voyez la richesse de cet amour, que l'univers vous envoie plein d'amour. Vous avez cet amour au fond de vous, donnez-vous de l'amour aussi et vous pourrez ainsi attirer un amour sincère. Je ferai une vidéo à part où je mets soin de soi hein, sur certains oracles où je vous fais part des textes, des messages de l'oracle qui sont assez intéressants, qui peuvent vous aider dans votre cheminement intérieur personnel. Votre soin à vous-même. Hein. Alors, le dahlia, je vais aller voir. Il nous parle de occupez-vous de l'ombre. Donc, c'est aussi aller voir dans votre part d'ombre. Cet amour que vous gardez enfoui aussi en vous. Hein. Rêve mystique. Sagesse occulte. Douceur des ombres. Transmutation des émotions. Transmutation des émotions en amour. N'ayez plus peur d'aimer aussi. Hein. C'est un rêve d'amour que vous avez. Vous avez envie d'aimer, n'ayez plus peur d'aimer. Alors, pour le 2, ça peut être assimilé comme vous le voulez. Si c'est votre choix, vous regardez. Vous pouvez aussi l'avoir assimilé au tirage 2, hein, donc une nouvelle façon de voir les choses. Non, voir les choses, c'était le premier, pardon. Une nouvelle façon d'entendre les choses aussi. Hein. Souvenirs. Écoutez vos souvenirs peut-être. Remémorez-vous vos souvenirs, les sons de vos amours passés, de vos relations bénéfiques, de tout ce qui était bon, qui faisait vibrer votre cœur aussi. Hein. Entendez les souvenirs de votre âme aussi, souvenirs de vos vies antérieures qui étaient agréables. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune, la même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Vraiment à l'écoute du cœur. Hein. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Donc c'est déjà être à l'écoute de votre cœur pour pouvoir l'exprimer après. Donc écoutez les vagues, hein, les émotions de votre cœur, les ressacs, les remous, écoutez-les. La moindre de mes améliorations a une énorme valeur. Voilà. Écoutez vos efforts. Écoutez les efforts que vous avez faits, le chemin parcouru. Écoutez la belle personne que vous êtes. Vous voyez, il y a le roi, la reine. Vous l'aviez, la reine, les reines et le roi. Elles sont sorties. Hein. Reprenez votre pouvoir de réaliser vos rêves, de vous reconnecter à l'univers, de co-créer avec lui. Entendez l'univers qui vous guide, qui vous dit que vous êtes une personne
merveilleuse, riche, avec beaucoup de potentiel pour créer vos rêves, justement, hein, ceux de votre âme qui est venu se manifester. Cela a une énorme valeur lorsque vous arrivez à délibérément provoquer ne serait-ce que la plus petite amélioration dans la façon dont vous vous sentez. Car même dans cette petite amélioration, vous avez regagné un peu de votre pouvoir, reprendre son pouvoir. On a vu qu'il y avait le détachement et qu'il y avait la libération, hein, libérer votre pouvoir. Et ainsi, votre remontée dans l'échelle émotionnelle n'est pas seulement possible, elle devient relativement facile. C'est marrant, ça nous parle d'échelle, on avait l'échelle aussi. Hein. Donc voilà, c'est l'estime de vous-même. Estimez-vous mériter l'amour aussi. Voyez toutes vos belles qualités, votre bonté d'âme que vous pouvez aussi manifester. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Pour aller vers beaucoup plus de légèreté, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, on a encore les colombes là, qui nous parlent de paix, d'amour, de connexion d'âme à âme, de connexion avec l'univers. Le cerisier qui nous parle de printemps, de nouvel élan. Prenez votre envol, vous allez pouvoir prendre votre envol. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez cette énergie créatrice qui monte en vous, cette énergie de renouveau, d'aller de l'avant, de vous envoler vers de nouveaux cieux, vers quelque chose de plus paisible. Alors, soyez libre. Vous voyez, ça correspond bien. Il y avait la libération, on se libérait d'un poids, de la trahison notamment, de la culpabilité, de la trahison, voilà, tout cela, et des blessures de l'enfance, hein, et on se libère, on va de l'avant, on croit à la magie de la vie. Il y a une belle purification au niveau des énergies, hein, on va au-delà des soucis. Amour divin, pardon, gentillesse, romance, souvenir de son innocence primitive, perte de poids aussi. Peut-être qu'il y en a qui, justement, ruminaient et qui, du coup, ont compensé par la nourriture, hein, qu'il est essentiel aussi de s'alléger au niveau de la nourriture, puisque il y a un très fort lien entre la nourriture et l'amour aussi. Hein. Donc, souvent, eh bien, on se gave quand on manque d'amour. Voilà, on se nourrit d'une certaine nourriture. Hein. Et la troisième, où on vous demande de libérer votre parole, c'est peut-être de donner des bonnes nouvelles, en tout cas de communiquer avec l'univers, hein, aussi, et de confier vos soucis à l'univers, vos prières à l'univers. En tout cas, il vous envoie de bonnes nouvelles, vous connecter à votre âme, communiquer avec votre être divin à l'intérieur de vous-même aussi. Hein. Libérez cette énergie, libérez votre parole. De bonnes nouvelles sont en chemin. On a un chakra coronal bien ouvert là aussi. Hein. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Voilà, savourez la vie. Regardez ces couleurs violettes qui sont en couronne là. Hein. C'est marrant aussi, comme on voit les mêmes couleurs. Alors les trois là. Hein. Vous êtes un être spirituel venu faire une expérience ici, sur Terre, vous êtes un être divin, vous avez une âme, elle est éternelle. Il faut prendre aussi soin de votre corps. Il est naturel que mon corps aille bien. C'est avoir un esprit sain dans un corps sain, avec un cœur sain. Vous n'avez pas besoin de nourrir des pensées spécifiques, positives concernant votre corps, mais vous n'avez pas à nourrir des pensées spécifiquement négatives non plus. Si vous deviez ne plus penser à votre corps et à la place n'avoir que des pensées plaisantes, votre corps retrouverait son état naturel de bien-être. Pensez à vous-même, nourrissez-vous aussi avec la bouche, on se nourrit aussi. Donc nourrissez-vous, allez penser vos blessures, allez apporter un baume de douceur aussi. Hein. Donnez-vous des paroles positives, redorez votre blason, l'estime de vous-même. Moi, avec l'agapante, là, moi, j'y vois vraiment, avec cette déesse, c'est reprendre son pouvoir pour créer les choses dans la matière, intuitivement, se laisser guider, se laisser nourrir par l'univers aussi, pour créer les choses dans la matière, se laisser inspirer. Ça fait penser à Thor, hein, qui est là, qui nous nourrit, pour déployer ses ailes, hein, et croire à la magie de la vie pour réaliser ses rêves aussi. Hein. C'est vraiment marcher votre parole, être dans votre intégrité, retrouver votre pouvoir d'action
agir en votre âme et conscience. Aller de l'avant. Ouvrir les bras à la vie. Profiter de la vie. Alors, hop. Aimez. Soyez impeccable, voyez, avoir une parole impeccable. Avoir une parole impeccable, ça ne veut pas dire ne dire que des bonnes choses, c'est surtout être dans sa vérité, son authenticité, être en accord avec le corps, enfin l'âme. Les pensées sont en accord avec l'âme, en harmonie avec l'âme, et les actes aussi. Donc là, vous êtes impeccable, vous êtes bien aligné, droit dans vos bottes. Autorité, confiance, élégance, excellence, intelligence, intuition et savoir intérieur, connaissance de notre propre divinité et maîtrise de soi. Vous avez cette capacité. Vous êtes capable de libérer votre parole et d'être vous-même, de marcher votre vérité. Donc, ouvrez-vous à la vie aussi, de croquer la vie à pleines dents, à pleine bouche. Avec toute la légèreté d'un enfant et la magie de l'univers. Alors, on va aller voir qu'est-ce que nous dit l'ange de Noël. De choisir, hein, avec l'histoire de sorcière, choisissez 1, 2, 3, comment mettre de la magie dans votre vie. Alors, vous pouvez l'associer à un des domaines, hein. Ou alors en prendre qu'un, c'est vous qui voyez, ou un, deux ou trois, vous faites ce que vous voulez. Allez, hop. Médite pour explorer. Prendre le temps de méditer pour explorer. Ça me fait penser à la carte, à cette carte-là aussi. Hein. Prendre son temps, être patient. Hein, à cette carte-là. Il peut y avoir aussi avec les cristaux, voilà, libérer son intuition, se protéger aussi avec le cristal de roche, avec l'améthyste aussi, trois, hein, pour créer aussi. Là, une reconnexion aussi avec la nature, on a les champignons aussi, pour croître comme les champignons aussi, hein, et harmoniser vos énergies yin et yang et être fidèle à vous-même aussi. Hein. C'est en étant fidèle à vous-même que vous allez pouvoir aussi déterrer vos trésors intérieurs aussi, hein, mais aussi pouvoir après planter de nouvelles choses. Et laisser croître, actionner votre magie, on est dans le chakra sacré aussi. 2, transformer et changer. 10, la roue tourne, vous allez vous transformer, vous allez pouvoir changer, vous comprenez que vous avez votre pouvoir en main avec le balai, que vous devez suivre votre intuition, et avec les papillons, vous allez vous faire une belle métamorphose vers quelque chose de très, très lumineux. Vous allez vers une énergie très intuitive aussi. Vous vous sentez guidé par l'univers pour agir. Vous sentez sur votre chemin de la destinée, que la roue tourne aussi. Vous allez vers quelque chose de... Ça me fait beaucoup penser à cette carte-là aussi. Hein. Droit dans vos bottes. Hein. Vous allez actionner votre magie. Et 3, magie du feu. Alors, magie du feu, il se peut qu'il y ait beaucoup de purification à faire déjà par le feu, hein. Nettoyer les énergies, donc vous pouvez aussi confier, lister tout ce qui ne va pas et le confier au feu, hein, pour le nettoyer, le transmuter. Et aussi, c'est l'énergie créatrice, vous voyez là dans les mains, hein, c'est l'énergie que l'on a pour créer aussi. Il y a une belle manipulation qui est faite pour ancrer les choses dans la matière aussi avec ce rouge-là, ancrer ses désirs, ses souhaits. 5, actionner le changement aussi, le mouvement. Faire la lumière dans la nuit aussi, hein. C'est aussi un éclaircissement qui se fait. On est à l'écoute de son chakra sacré aussi pour libérer sa flamme et créer dans la matière. Grâce à cette magie du feu, on prend conscience qu'on a cette magie dans nos mains et que c'est nous qu'on met la magie dans notre vie. Et regardez, sous le deck, exprime ta pensée. Vous voyez, exprimez vos vœux, exprimez votre pensée. Il y a un face-à-face qui se fait, hein. Une communication, hein, communiquer, autant avec l'univers qu'avec les personnes qui vous entourent. Et fiez-vous à votre intuition pour aller vers les gens qui vous ressemblent, pour que les relations soient beaucoup plus saines et harmonieuses. Vœux et prières, hein, pourront être exaucés aussi. Mais il faut communiquer. Inspiration et courage. Croyez à la magie. Croyez à l'amour. Croyez en votre pouvoir créateur.
incroyable pouvoir de la vie. Alors, message. Alors là, c'est pareil, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 avec les accords Toltec. J'en ai 2 déjà et 3. Alors, 1. Que votre parole soit impeccable. Découvrez le paradis sur terre. Vous voyez, que votre parole soit impeccable, ça rejoint celle-là aussi. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord. Que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire que votre parole soit alignée avec votre âme et que vous marchez votre parole, que vos actions, que vous agissez en votre âme et conscience réellement. Vous êtes protégé, guidé par l'univers, les arcs-en-ciel. 2. Faites toujours de votre mieux. Prenez votre vie en main et appréciez-la. C'est vous qui déroulez le fil de votre vie. Suivez votre intuition. Vous êtes vivant. Aussi, prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Ça résume vraiment tout le tirage. C'est ça. Vous méritez d'être heureux. Et vous méritez d'apprécier chaque chose. Les petits plaisirs de la vie. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est marrant parce qu'on a vraiment un truc de chaque. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Vous voyez, il y a encore là, voilà, libérez-vous, confiez vos soucis à l'univers et aussi vos rêves, vos souhaits. Et faites un grand tri énergétique, sortez des énergies basses, de toutes vos blessures, vos douleurs. Il faut, voilà, il faut aussi pardonner, se pardonner aussi, mais parce que ça coupe les liens toxiques, tout simplement. Ça nous libère d'un fardeau. Et c'est juste pour vous faire du bien à vous avant tout. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. La petite marionnette de la manipulation qu'on a vue au début. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Voilà. Donc ne prenez rien personnellement. Les personnes, les gens en fait, même vous, hein, parce que vous faites une réflexion, vous dites quelque chose, c'est par rapport à votre ressenti, comme lui, c'est par rapport à son ressenti. Mais c'est sa vérité, c'est votre vérité, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est juste le regard de l'autre ou votre regard. C'est tout, donc n'en faites pas une affaire personnelle. Et, mais tiens, dessous, regardez, ne faites pas de suppositions. Renoncez à vouloir changer les autres. Voilà, même si on se ressemble à la base, qu'on est tous humains, chacun a sa personnalité, chacun a son mission de vie, chacun a son karma, chacun a sa vie, ses pensées, ses désirs. Aimer vraiment, c'est accepter que les autres, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Quand on essaie de les changer, cela signifie qu'on ne les aime pas réellement. Il est plus facile de trouver une personne qui soit telle que vous le voudriez, plutôt que de vouloir changer quelqu'un. Voilà. Donc, vous pouvez déjà demander aussi à l'univers de vous envoyer quelqu'un. Voilà. Mais évitez de mettre le nom de quelqu'un ou le visage de quelqu'un. Juste les traits de personnalité, les qualités que vous désirez chez quelqu'un. Et l'univers vous enverra ce type de personne. Voilà. Mais élargissez votre horizon sans mettre de visage dessus. Juste les qualités que vous désirez chez quelqu'un. C'est tout. Donc, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cela vous parlera, que vous aurez bien entendu les messages que l'univers cherche à vous envoyer et que vous aurez une nouvelle vision, celle du cœur. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté. À dans 15 jours pour ce type de vidéo. Namasté.